Coucou Gaëlle, je voulais te faire ce petit clin d'œil depuis un moment, donc voilà, apparemment c'est le moment, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc comme tu le sais, en janvier dernier, ça n'allait pas très très fort, je vivais mal des manifestations fortes de l'hypersensibilité et j'ai fait appel à toi pour m'aider à passer ce moment délicat. Et tu m'as proposé un accompagnement sur 4 séances. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, la qualité de ton écoute, déjà, au premier rendez-vous, m'a fait prendre conscience quand je parlais d'un problème d'addiction, que c'était pas du tout anodin dans ce que je vivais à ce moment-là. Et rien que ça, ça m'a aidé à arrêter cette addiction en une semaine. Donc, ça, c'est pas banal, là. Ensuite, cet accompagnement m'a permis d'apprendre à m'aimer plus, tel que je suis, à être plus doux avec moi et à savoir être patient. Ça, c'est vraiment deux clés qui m'ont aidé à traverser les remous qui ont suivi, puisque comme tu le sais, la vie a été très mouvementée dans les semaines qui ont suivi, ce qui a poussé à changer de vie. Voilà. Et c'était précieux d'avoir ton regard non jugeant, qui ne se place pas au-dessus, qui part de ton expérience propre en tant qu'être humain, sans jouer de personnage. Et ça a été du coup très inspirant pour moi et ça m'a aidé à dépasser les difficultés du moment. Encore une petite chose, ton exemple vivant de personne qui traverse ses propres peurs, en toute authenticité, honnêteté, même en relationnel, a été très riche et ça m'a aidé aussi, notamment par rapport à la transformation que j'ai pu voir chez toi et le partage que tu as pu en faire quand tu as fait un travail plus profond sur la traversée des peurs, qui s'appelle Festen, et ça m'a donné envie de tester par moi-même, et j'avoue que ça a été un autre voyage qui s'additionne à celui qu'on a commencé ensemble et qui m'a permis de changer de vie. Voilà, aujourd'hui je suis dans ce nouveau lieu de vie, c'est un peu grâce à toi et je te remercie. Et voilà, je te souhaite plein de belles choses, je te souhaite de continuer à accompagner beaucoup de gens hypersensibles comme tu fais avec autant de talent et de naturel. Tu es faite pour ça, merci de le faire et à bientôt.